Du coup, l'intervention de Nicolas Hulot très intéressante, assez enthousiasmante. Enfin, moi, ça m'a un peu motivée. Jusqu'à présent, je ne ressentais pas énormément le stress justement de la charge de travail qu'on a. Et en fait, ce qu'il a dit hier m'a un peu remis la tête sur les épaules. Je suis dans le groupe Se déplacer. On a déjà commencé à regarder, déjà à être informé par des experts. Qui nous ont un peu expliqué les grandes lignes, qu'est-ce qui pollue, quels sont des axes, des pistes à explorer pour baisser nos émissions de GES. On a commencé à en discuter, à explorer des pistes. On sait par exemple que l'aménagement des territoires est une excellente solution, favoriser le covoiturage, des transports en commun pour les zones qui sont un peu délaissées justement par les transports en commun. On sait qu'il faut en gros essayer de rediriger un peu le trafic, s'éloigner des voitures individuelles sans pour autant les interdire, parce qu'elles ont quand même leur pertinence et leur utilité. Essayer de trouver d'autres moyens moins polluants et plus pratiques et accessibles pour tout le monde, que ce soit dans les villes ou dans la campagne. Peut-être que ça sera un engrenage et un début d'une vague et d'un grand mouvement qui pourra justement être bénéfique pour notre planète et aussi qui pourra justement régler des questions de justice sociale, d'égalité entre tous les niveaux sociaux.